Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les anti-ulcéreux. On reste sur le même thème gastro que la vidéo précédente sur les IPP. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, en particulier Instagram, où je publie assez souvent des sondages sur les sujets des vidéos à venir. Un ulcère gastro-diodénal est une plaie profonde qui se forme dans la paroi interne de l'estomac, appelée ulcère gastrique, ou bien dans la première partie de l'intestin, c'est-à-dire le diodénum, appelé dans ce cas-là un ulcère diodénal. Il résulte d'une inflammation chronique de cette paroi, sur laquelle il y a une agression de la muqueuse par l'acidité du liquide gastrique, dont la sécrétion devient excessive. Voici l'estomac, son tiers supérieur s'appelle fundus, le milieu est le corps. Et le tiers inférieur est l'antre et le fond. Il est relié à l'œsophage en haut et au duodénum par le bas. Le duodénum est l'un des organes qui composent le tube digestif et qui fait suite à l'estomac. Il est la partie initiale de ce qu'on appelle l'intestin grêle. Il est suivi par le jéjunum et l'iléon et ensuite il y a le côlon. L'étiologie la plus fréquente de l'ulcère est liée à la bactérie Helicobacter pylori qui va provoquer une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Ce qu'on appelle une gastrite, et qui peut se compliquer en ulcère, voire d'un cancer gastrique. Cette bactérie est un bacille qui colonise exclusivement la muqueuse gastrique. Elle résiste à l'acidité gastrique et elle est le plus souvent contractée par la bouche dans l'enfance durant les cinq premières années de vie. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo dédiée à cette bactérie. Une autre étiologie fréquente est la prise d'AINS, y compris l'aspirine, qui peut provoquer des ulcères gastro-diodénaux dits médicamenteux. En effet, ces produits sont agressifs pour la muqueuse de l'estomac. L'effet toxique des AINS persiste environ deux mois après l'arrêt du traitement. D'ailleurs, environ un tiers des ulcères compliqués sont attribuables à la prise d'AINS ou d'aspirine à faible dose. C'est pourquoi il est quasi systématique d'associer un IPP aux INS pour éviter justement ces complications, en particulier si les INS sont pris au long cours. Sinon, eh bien, il faut les prendre pendant le repas. Par ailleurs, certains facteurs peuvent contribuer à faire apparaître un ulcère. Par exemple, le tabagisme car il augmente les sécrétions acides, les aliments trop acides, la consommation importante de café, de thé ou même d'alcool, ou encore un stress prolongé. Quelle est la prise en charge de ces ulcères la première chose à faire avant tout traitement est d'éliminer les facteurs de risque associés, comme les ANS, le tabac ou l'alcool. Ensuite, si cela ne suffit pas, il existe différents traitements médicamenteux. La classe pharmacodynamique qui va dominer les autres, ce sont les antisécrétoires. Elle est composée par deux classes pharmacologiques, les inhibiteurs de la pompe à protons IPP, sur lesquels j'ai déjà fait une vidéo où je ne parle que des IPP. Je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en haut à droite et en description et puis les antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine. Ces deux classes ciblent donc la sécrétion. Il y a ensuite les cytoprotecteurs, avec les analogues des prostaglandines, et les pansements sélectifs. Et enfin, une classe qui est uniquement symptomatique, qui va agir comme antidouleur, ce sont les pansements non sélectifs et les antiacides. On va voir comment ils vont tous fonctionner, mais avant, regardons rapidement comment on finit par arriver à cette sécrétion acide. La vision ou goût de la nourriture va produire une stimulation vagale des cellules G localisées dans l'antre de l'estomac pour qu'elles sécrètent la gastrine. Ensuite, après avoir ingéré la nourriture, l'arrivée de protéines dans l'estomac stimule directement cette sécrétion de gastrine, qui est alors sécrétée dans la circulation sanguine. La gastrine va revenir au niveau du corps de l'estomac pour agir sur les cellules intérochromaffines de Kulchiski, avec pour diminutif ECL. Pour cellules entérochromaffines like et va déclencher la libération d'histamine. Cette histamine stimule les cellules pariétales via le récepteur H2. Ce récepteur va aller activer la pompe à protons de l'autre côté pour qu'elle se mette à sécréter l'acidité sous forme de protons ou H ⁇ Le résultat sera la baisse du pH gastrique afin de favoriser la digestion, etc. Commençons par voir les anti-sécrétoires. Les IPP vont tout simplement venir inhiber et bloquer cette pompe à protons, ce qui fait qu'il n'y aura plus de protons sécrétés dans l'estomac et donc diminution de l'acidité gastrique. Les antagonistes des récepteurs de type 2 à l'histamine inhibent la sécrétion acide par un blocage sélectif des récepteurs membranaires H2 à l'histamine au niveau de la cellule pariétale, de façon à ce qu'elle ne stimule plus les pompes à protons qui sécrètent l'acidité. Comme j'ai déjà fait une vidéo sur les IPP, je vais me concentrer plutôt sur les anti-H2. Les antihistaminiques de type 2 finissent tous par tidine. Étant donné qu'ils agissent sur le récepteur H2 de l'histamine, eh bien leur structure s'en rapproche. Ils vont contenir un cycle qui se rapproche du noyau imidazole. Le chef de file est la cimétidine, qui comporte comme l'histamine un noyau imidazole. La famotidine et nisatidine ont toutes les deux un noyau thiazole. Et enfin la ranitidine a un noyau furane. Ce sont des antagonistes compétitifs des récepteurs H2 de l'histamine. Ce récepteur est situé en basolatéral des cellules pariétales du corps de l'estomac. Lorsqu'ils vont bloquer le récepteur H2, les pompes à protons ne seront plus stimulées, ainsi on se retrouve avec une inhibition de leur expression, ce qui va bloquer les sécrétions acides. Le bénéfice tiré de ces médicaments est qu'ils vont faciliter la cicatrisation et calmer la douleur. Tout comme les IPP, leur temps de demi-vie est court, il est d'environ 2 à 3 heures. Par contre, le blocage des pompes à protons dure 24 heures car il faut à peu près 24 heures pour synthétiser de nouvelles pompes. Ainsi, une prise par jour suffit pour avoir un effet sur toute la journée. La cimetidine a la particularité d'être un inhibiteur enzymatique. Il faut donc faire attention aux interactions médicamenteuses avec les médicaments métabolisés par ces enzymes qui risquent d'être en surdosage. Passons maintenant aux effets indésirables de cette classe qui sont plus nombreux que les IPP. Il peut y avoir des troubles digestifs de type diarrhée ou bien prolifération de germes intragastriques par variation du pH gastrique avec l'hélicobactère dont on a parlé. Il peut également y avoir des céphalées ou confusions. Et puis des troubles hématologiques comme la granulocytose ou thrombopénie. La cimétidine peut être responsable de troubles endocriniens de type anti-androgénique. Chez l'homme, ça se présente sous forme de gynécomatie ou d'impuissance, et chez la femme, sous forme d'aménorée ou de stérilité. Mais ces effets sont réversibles à l'arrêt du médicament. Ils sont contre-indiqués en cas d'hypersensibilité, car il y a un gros risque de manifestation allergique cutanée ou même systémique, sous forme d'œdème de quinque, voire de choc anaphylactique. En cas d'insuffisance rénale, il faut adapter la posologie à la clairance de la créatinine. Les autres antisécrétoires, ce sont les analogues des prostaglandines qui agissent par cytoprotection directe. Ils sont analogues synthétiques de la prostaglandine E1, qu'on appelle PGE1. La molécule d'analogue de prostaglandine est le misoprostol qui, comme vous le voyez, ressemble énormément à la prostaglandine E1. Il va agir comme agoniste des récepteurs au PGE1 afin de stimuler dans l'estomac la production de mucus et de bicarbonate, mais aussi diminuer les sécrétions acides. De cette manière, elles vont protéger la barrière muqueuse gastrique. Il se trouve que son utilisation était assez réduite car son profil de tolérance est moins bon que celui des autres antiulcéreux, à tel point qu'il n'est plus utilisé dans cette indication. Ses effets indésirables sont déjà des troubles digestifs avec diarrhée à cause d'une augmentation de la motilité intestinale. Mais celui qui nous intéresse ici, c'est la stimulation des contractions utérines, ce qui fait qu'il y a un risque d'accouchement prématuré. Il a même été détourné pour des avortements du coup, à cause de cet effet, le misoprostol de la spécialité Cytotec n'est plus utilisé dans cette indication puisqu'il a été retiré du marché en 2018. Et il a été remplacé par la spécialité jimiso qui a une indication totalement différente. Il est indiqué dans les interruptions médicales de grossesse intra-utérine et chirurgicales. Les pansements sélectifs sont le deuxième groupe des cytoprotecteurs. C'est le médicament sucralfate de la spécialité Keal, qui est en fait cette grosse molécule constituée de sel d'aluminium et d'un sucre qui est en fait une molécule de saccharose. Et ce sucre est porteur de 8 fonctions sulfates. Lorsque le sucralfate est ingéré, il va y avoir une polymérisation et formation d'un gel anionique, donc chargé négativement. Et ce gel va fixer les protéines cationiques de la zone ulcérée, donc la zone ulcérée est chargée positivement. Cette fixation du gel sur les zones ulcérées vont agir comme un pansement et vont diminuer les douleurs et les agressions de cette zone fragilisée. On parle ici de pansement sélectif, car il fixe spécifiquement les charges positives. En plus de faire un pansement, il va neutraliser les ions H ⁇ donc positifs encore une fois, par les ions aluminium chargés négativement. Il n'a pas d'action antisécrétoire, mais il neutralise les charges acides sécrétées. La prise de ce médicament doit être éloignée du repas car il y a un risque de complexation avec les protéines cationiques de l'alimentation. Normalement, vu que la molécule est très grosse, elle n'est pas absorbée et est directement éliminée. Mais il peut y avoir absorption d'ions aluminium avec un taux d'environ 1 à 2% dans le sang. Cela va être la principale source des effets indésirables comme un risque d'encéphalopathie en cas d'insuffisance rénale car l'aluminium va s'accumuler dans le système nerveux central. Également une hypophosphatémie s'il est pris au long cours à cause de la complexation de ce pansement avec le phosphate alimentaire qui du coup sera piégé et ne sera pas absorbé. Et puis il y a aussi un risque de constipation. En conclusion, il faut éviter la prise de sucre alphate au long cours, surtout s'il y a une insuffisance rénale ou une hypophosphatémie. On passe maintenant à la classe des médicaments avec un effet symptomatique antidouleur. On va avoir d'abord les pansements non sélectifs. Il y a les argiles comme le silicylate d'aluminium retrouvé dans Smecta et Bedelix. Ensuite les silicones comme dans Dimeticone, retrouvé dans Polysilane. Ce sont plutôt des médicaments antidiarrhéiques mais ils ont aussi une action antidouleur car ils forment un film sur la muqueuse digestive ce qui va soulager les douleurs ulcéreuses comme les pansements sélectifs qu'on vient de voir mais là ils s'appliquent sur toute la paroi sans cibler spécifiquement des charges positives donc ils sont non spécifiques ils ne sont pas utilisés dans le traitement curatif de l'ulcère puisqu'ils sont non cicatrisants. Ils sont vraiment uniquement symptomatiques donc leur prise dépend du moment des douleurs, soit avant, soit après le repas. Il est très important de retarder la prise d'autres médicaments puisqu'ils forment un film sur la paroi qui va risquer de retarder ou de diminuer leur absorption. Le dernier groupe dont on va parler, c'est les antiacides, comme Gaviscon, composé de bicarbonate de sodium et de sodium alginate. L'alginate a la particularité de gonfler au contact du liquide gastrique et de former un gel qui a plusieurs propriétés. Tout d'abord, sa légèreté lui permet de flotter au-dessus du contenu gastrique au niveau de la jonction gastro-osophagienne, et sa viscosité et cohérence forment une barrière physique qui s'oppose au reflux, avec diminution du nombre de reflux. En cas de reflux sévère, le gel régurgite en premier dans l'œsophage et s'interpose entre la paroi oesophagienne et le liquide gastrique irritant. Son pH alcalin se substitue au pH acide du liquide de reflux. Un autre antiacide est le malox, composé d'hydroxyde d'aluminium et d'hydroxyde de magnésium, qui est également un protecteur de la muqueuse oesogastro-iodénale. Leurs effets sont symptomatiques en diminuant les douleurs ulcéreuses et pyrosis retrouvées dans les reflux gastro-œsophagiens. Ils ont les mêmes précautions que les pansements sélectifs, donc pris à distance des autres médicaments, très très important. Voilà pour cette vidéo sur les anti-ulcéreux. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez surtout pas de vous abonner et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.